Tu viens d'où, Margot? Chalon. Le téléphone, je le prends aussi. Tu pourras le récupérer dans 10 jours. Comment ça, à quelle heure? Au réveil. Alcool, médoc, coke. Tous les jours. Margot, essaie de nous dire ce qui se passe, là, dans ton ventre. Comment ça va? C'est une question à la con. Moi, il m'a fallu 3 semaines pour me sentir bien. Reste. Juste pour aujourd'hui, demain tu verras. Ici c'est un jour à la fois. Tu dois surtout pas penser au lendemain. J'y arriverai pas. Moi j'y arriverai pas sans toi. J'ai besoin de toi. Stop. Leaderité. Étrange, le E c'est un A et le J c'est un G. Non, c'est mort. C'est pas mort, c'est même pas né. T'es con toi. Histoire est singulière, tu te dis que les autres c'est l'enfer, et pourtant tu voudrais te retourner. Avec tout ce qu'on s'est mis dans la gueule, dans les narines, dans le foie, dans tout ça, et ben on arrive à arrêter, tu vois. Et rien que pour ça, t'es balèze de ouf, t'es plus fort que les autres. Tu as appelé ta famille? Non. Ce secret, il est en train de t'empoisonner, Margot. J'ai peur. Je l'ai jamais raconté à personne. Pour moi, la honte, c'est quand t'as fait tellement de mal aux gens que t'aimes que tu peux même plus te regarder dans une glace. Personne te juge ici, Mardi. Tu peux dormir à nouveau. Faut que je fasse attention, je vais devenir dépendante. Bientôt.